Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Nouvelle vidéo de OL Daily Mercato consacrée à une nouvelle rumeur pour notre côté gauche, le latéral gauche qui n'a toujours pas été trouvé, même s'il y a eu récemment l'arrivée du jeune prometteur international U17 belge, héritier de Jonk, en provenance du PSV Eindhoven. C'est un contrat d'aspirant. Il ne sera pas tout de suite titulaire chez nous, voire professionnel. Il faudra attendre un petit peu, mais en tout cas, c'est un espoir. Mais l'Olympique lyonnais cherche toujours la perle rare pour remplacer Ferland Mendy, parti du côté du Real Madrid. On a parlé de Philippe Luis, mais son accord se fait attendre. Il est plutôt lié à l'Atlético Madrid pour une prolongation plutôt qu'un transfert du côté de l'Olympique lyonnais. Donc on essaye d'explorer d'autres pistes, et celle aujourd'hui qui sort, c'est celle menant à Henrique Dalbert. Ça vous dit peut-être quelque chose? C'est le Brésilien, joueur de l'Inter Milan, mais qui est passé du côté de Nice, où il a fait les belles heures de Nice avant de partir du côté de l'Inter Milan en 2016-2017, où il ne s'est pas imposé, Dalbert. Il est parti là-bas pour 22 millions d'euros. Rendez-vous compte de cette somme. Un joueur qui a été recruté par Nice à l'époque au Victoria Guimarães au Portugal. Il a été recruté 2 millions d'euros. Et il a été recruté par l'Inter Milan parce que l'Inter voulait miser sur l'avenir avec lui. Ça a été confirmé d'ailleurs par l'entraîneur Spalletti, qui a dit qu'avec Dalbert, il misait sur l'avenir, que c'était un gros potentiel à son poste et que c'était uniquement de sa faute à lui s'il ne l'avait pas fait jouer. Il en prenait la responsabilité, mais en tout cas, il a prolongé son contrat en octobre dernier pour être lié jusqu'en 2023. Mais c'est pas pour ça qu'il a joué plus du côté de l'Inter Milan, parce qu'il a des concurrents de choix à son poste. Il a le Croate Zvlako, je sais pas comment on dit, j'arrive pas à le prononcer. Il a Danilo D'Ambrosio, il a Asamoah aussi qui sont devant lui. Spalletti l'a dit, hein, il a des joueurs devant lui qui sont meilleurs que lui à son poste. Et pourtant, c'est un joueur prometteur, c'est un joueur qui a 25 ans tout de même, mais qui n'a pas donné la pleine mesure encore de son talent. 1m81, 70 kg. C'est un joueur qui est aussi polyvalent, hein. Il peut jouer défenseur, il peut jouer milieu gauche. C'est un joueur qui a une grosse capacité d'accélération. C'est un joueur aussi qui a une qualité de centre incroyable. Vraiment, il est connu pour cette qualité de centre qui est chirurgical. C'est un joueur qui est capable de centrer dans n'importe quelle position. Il est capable de centrer de très très loin et d'être très précis là-dessus. Et puis, il n'y a pas que ça. Il est très bon offensivement, mais il est aussi bon défensivement. Dalbert, mais ça je reviendrai juste après sur ses qualités. La saison dernière, toute compétition confondue, il a joué 16 matchs. Il a joué 9 matchs en tant que titulaire et 2 matchs en tant que remplaçant. C'est très faible. 778 minutes de jeu. Une passe décisive et un but pour lui, c'est très très faible. Il a pris 2 cartons jaunes, mais vous voyez, il a très très peu joué, mais pourtant l'Inter Milan misait sur lui. Mais ça n'a pas l'air de vraiment bien se passer, en tout cas pour la saison prochaine. Il compte sur quelqu'un d'autre. Il compte peut-être acheter Matteo Darmian de Manchester United. Il compte aussi peut-être acheter Nicolas Tagliafico, le défenseur argentin de l'Ajax. Donc son avenir s'assombrit très clairement du côté de l'Inter, qui demande entre 15 et 18 millions d'euros pour lui. Et ils sont prêts à le laisser partir. C'est pour vous dire, c'est un joueur qui doit être relancé. Il a été un temps annoncé l'hiver dernier du côté de l'OM. Ça n'a pas été fait parce que l'OM voulait un prêt avec option d'achat. L'Inter voulait absolument un transfert sec. Et aujourd'hui, Dalbert, eh bien, il est lié avec l'Olympique lyonnais. Parce qu'il a tout à fait les qualités que recherchent Silvinho et Juninho pour ce poste. Des qualités qu'a démontré d'ailleurs par le passé Ferland Mendy. Il est très très fort offensivement, mais il est aussi très très fort défensivement. C'est un très très bon tacleur, redoutable tacleur.
parce qu'il va très vite, parce qu'il sent bien les coups, parce qu'il essaye de rattraper peut-être des erreurs de positionnement par des bons tacles. Il est très bon dans les duels aériens, il est très bon aussi pour porter le ballon. C'est quelqu'un qui va très haut avec le ballon et puis c'est quelqu'un qui est très très concentré. Voilà, si je devais résumer les qualités du joueur, très bon tacleur et surtout très très bon centreur. Et aujourd'hui, on cherche des latéraux capables de bien centrer aussi, vraiment avec une belle qualité de centre. Et d'Albert, oui, il doit être relancé, mais moi je me pose la question de pourquoi il n'a pas réussi à jouer à l'Inter Milan, pourquoi il n'a pas réussi à développer son talent à l'Inter Milan. Est-ce que le challenge était trop grand pour lui de passer de Nice à l'Inter? Il s'est peut-être vu trop beau. En tout cas, aujourd'hui, à 25 ans, il n'a plus le choix. Il faut absolument qu'il se relance. Il faut qu'il trouve un club qui lui fasse confiance et qui essaye de le développer. Ça tombe bien, un duo de Brésiliens. On essaye avant tout de faire jouer cette filière brésilienne. Alors attention, il n'y aura pas de la place pour tous les Brésiliens parce que vous le savez, il y a un maximum de quotas de passeports étrangers. Il y a encore de la place pour un passeport selon les départs. Peut-être aussi qu'il y aura un départ, peut-être de Fernando Marsal. Il faudra voir aussi, mais aujourd'hui, la piste d'Albert, elle peut prendre de l'ampleur. Il faudra voir dans les jours prochains. Ça dépendra aussi de ce que va faire Felipe Luis. Est-ce qu'on va attendre la fin de la Copa América pour voir? Et voilà, il y a beaucoup de pistes hein, qui sont évoquées un peu de partout. La piste d'Albert, moi, de ce que j'ai vu quand il joue à Nice, moi j'ai vu un superbe joueur, un superbe joueur, un superbe latéral, moderne, avec une qualité de passe incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai été choqué de temps en temps des transversales, des centres de d'Albert. Vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de coffre, qui a beaucoup d'endurance, qui a un volume de jeu qui est très bon. Il est en perte de confiance nette. Il faut absolument lui faire retrouver cette envie de jouer au football au plus haut niveau, de se dévouer à 100% dans un club. Mais ça peut être une vraie, vraie belle option, moi je pense, en termes d'expérience. Il a quand même connu Nice, qui est dans une belle période de Nice d'ailleurs, hein. Il a connu Lucien Favre, mais il n'a pas beaucoup joué avec Lucien Favre parce qu'il avait envie de partir. Il avait des touches sûrement avec l'Inter Milan déjà. Et voilà, il a connu l'Inter Milan, qui est quand même un club de haut niveau. Il s'est entraîné avec des joueurs de haut niveau. Aujourd'hui, son retour en France, à l'Olympique Lyonnais, ça pourrait être une très très belle solution. Moi, je suis pour. C'est un profil qui me plaît beaucoup et qui nous arrangerait vraiment aussi, parce qu'on perdrait pas au change, je pense, avec Fernand Mendy, si on arrive vraiment à lui redonner cette énergie, cette mentalité, parce qu'il faut qu'il vienne avec une grosse mentalité, avec une mentalité de guerrier. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses avec D'Albert. Donc je dis un grand oui à la piste d'Albert, qui me paraît être une bonne chose. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de la rumeur d'Albert à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Dites-moi tout en commentaire, bien évidemment. Votre avis m'intéresse comme à chaque fois. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo d'OL Daily Mercato. À très 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 vite, les gars. Ciao!